crois, c'est possible. C'est le match-up qui est un peu dégueulasse, c'est pas grave. J'en vois confiant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme s'il faut que ça allait pas 100% gagner. Ouais. Eh bah écoute, on va voir bah, ça. Tu sais, ça reste Luigi. Hein. Le Pac-Man en plus qui est de sortie, qui bon, est pas, c'est pas le meilleur match-up. Bah en vrai, Pac-Man comme Joker, c'est un peu dégueu, de hein, toute façon pour Luigi. Oui, Luigi c'est fort contre Joker. C'est pas... Effectivement, mais du coup, bah 10 balles. Vas-y, pas 10 balles, mais 5, je suis chaud. Ah, Savoura qui prend les side bets. Cela étant dit, on se fait tornade pour l'instant. On n'arrive pas à gérer un avantage vraiment conséquent du côté de Foxa. On se fait encore une fois Donbi. Encore une fois, on high grant. On se met derrière, on attend. Encore une fois Donbi. Et là, on commence à se faire sérieusement gratter du côté de Foxa. Bon, on n'est pas à 1000%, hein, quoique un hobby serait si vite arrivé. Aussi, Foxa est à 1000%. Hein. Donstrow, hobby, c'est mort. Hein. Ouais. Cela étant dit, il faut trouver la zone score. Il y a pas sur DHCV, c'est bon. Hein. Non, on n'a pas de tech. Ah, malheureusement, si on se prend ce genre de douille là. La tristesse. Le travail peut avoir été fait des deux côtés et quand même. Il y a plus de saut. Ah, si, là, il y a son saut. Ah, c'est pas passé à grand chose de se faire gimp. C'est clair. Et là, on a Foxa qui joue très bien son avantage hein, quand il est plus sûr, il retreat. Il fait pas l'imbécile. Là, genre, qui a envoyé une très mauvaise ventouse, ça va que la punition était pas très. Pas opti. Pas opti. Il y a une punition quand même. C'est pas tech, bah oui, mais parce que dans les langues, vous savez pas tech. Malheureusement, c'est comme ça. On essaye de vous expliquer qu'il faut tech, mais vous voulez pas nous entendre. Vous voulez pas nous comprendre. Appuyez sur R. Ah, ça se fait, hein. À moins que vous ayez le jump sur R. Appuyez sur L. Appuyez sur votre touche tech, quoi. Grosso modo. Appuyez sur votre shield au moment où. Oh, le smash. Non, on prendra pas le stop même sur une mauvaise DI, malheureusement. Ah, le Donbi qui est un peu greedy, mais en vrai, pourquoi pas. On tente, ça fonctionne pas, on fait autre chose, mais globalement... Oh, on a pas pris la cloche. Ça, je trouve, c'est des occasions un peu manquées quand on connaît le match-up, de prendre la cloche juste et de commencer à jouer avec. Tu l'as pour les straps derrière, tu te mets vraiment bien, genre. Oh, après, il y a des joueurs qui sont plus ou moins à l'aise avec les template. Hein. Ouais, il y a des joueurs qui sont pas à l'aise, malheureusement, je trouve que c'est vraiment du gâchis de pas savoir jouer avec ça, parce que c'est vraiment... Oh, le Misfire qui le sauve. D'ailleurs, faut savoir que c'est un chatard pas possible sur les Misfire. C'est une dinguerie. C'est le seul moyen de revenir. S'il y a un moment c'est clutch de Misfire, il va Misfire. C'est une dinguerie. Bon, après, il est toujours à une stock de retard, malheureusement. Quoique la dash attack viendra me donner tort. Il a pu prendre la stock. Bon, la rage n'a pas été utile. Hein. Il était 153 en port de stage. Ça meurt, Pac-Man, de dash attack de Luigi. Ouais, en fait, Dasher a pas de chance sur le fait que, on a Momo. On connaît Luigi un petit peu sur Bordeaux pour la majorité. Surtout pour ceux qui sont là depuis le plus longtemps. Et du coup, Dasher ne peut pas surprendre avec de la méconnaissance de match-up. Les gens ne vont pas se faire grab. Et du coup, ça risque d'être compliqué de trouver le grab. Je vais faire ma gueule peut-être. Ouais, oh, la DI, ouais, tout ça aidé. Il a même pas que DI, il a SDI un seul coup. Sinon, ça va pas autant de retrouver aussi loin. Ouais. Bonne grab, encore une fois, peut-être. Oh. Non, ah, mais on a pas mal de dégâts de gratter déjà. Oui, le hobby, je crois qu'il fait 25% non, tout seul. Il a raté son demande. Regarde ses pourcentages à Pac-Man. C'était normal qu'il se prenne une douille. Il se prend une couille, il est à 69. Aïe, 54. Bon, 54, c'est. Non, je crois pas. Oh, dommage, il a fallu y avoir un follow vraiment marrant. Non, toujours pas de grab. Hein. Allez, on essaye, mais c'est compliqué. On se fait back air et là, on est sur sa dernière stock. Oh, grab. Donbi. DI, okay, DI correct. DI, très bonne DI, il est vraiment pas parti très haut pour le coup, Pac-Man. Ouais. Et du coup, on va rico tout tranquillement. Oh non, c'est reverse par la. Non, c'est un peu triste. Ce genre de reverse où genre juste le mec il a throw un truc et tu le prends à l'au bout du terrain, c'est un peu triste. Et. Ah, donc, il n'y a plus rien. Ouais. Ah, c'est dégueulasse, forcément. C'est la back throw là qui tue. Ouais. Mais encore faut-il la trouver cette back throw ou trouver même un up smash ou n'importe quoi. Tu te rends compte que à low pourcentage, à mid pourcentage ou à high pourcentage, Luigi a une kill throw. Ouais, il a quasiment tout mort de quoi tuer avec sa throw. Hein. C'est effectivement le side B qui prendra, on a la snow qui kick le cast, le side B qui aura clank de manière assez mystérieuse. Oh, ça tue. Alors peut-être avec la rage. On y croit, c'est Luigi, on n'est jamais hors 0 to death. Et encore une fois, il connaît bien son perso. Non, malheureusement, ouais. On prendra le melon. Et ce sera une stock bien clean de la part de Foxa. Force à Dasher. Aïe. Bon, 1-0, en vrai, c'est rattrapable, ça se passait clairement mieux à la fin qu'au début.
Donc à voir ce qu'il a peut-être appris. Ou... faut savoir que le match-up Pac-Man n'est pas complètement étranger à Dasher. Il y a Don Lee dans les Landes qui le joue, qui est de la même team, qui plus est, c'est GK13 Don Lee. Enfin, en tout cas, aux dernières nouvelles, peut-être que ça a changé, mais je crois pas. Et donc, du coup, dans tous les cas, il doit connaître un peu Pac-Man. Il a la connaissance basique du match-up. Donc, à voir s'il arrive à en faire quelque chose. En tout cas, pour l'instant, c'est 1-0 Foxa, comme le seeding l'avait plus ou moins prédit. Eh bien, écoute, docteur, c'est toi que ça regarde. Hein. Ta sexualité et toi, sa belle moustache. Ça, la belle moustache de Dasher. Et les beaux 0-2-S, peut-être aussi. Non, on a raté le père. Ah, trop triste. En tout cas, on a quand même un bel avantage positionnel qui se dessine du côté de Dasher. Est-ce qu'il va réussir à le concrétiser? On va bien voir. Ah, c'est Pac-Man. Hein. Pac-Man, ça met les hitbox, il faut être prêt à les accueillir. Et là, on se fait un peu phaser des deux côtés. Et la phase aurait été un poil plus conséquente du côté de Foxa. Mais bon, pour quelques dégâts près, ça ne changera pas grand-chose. Ok, on a un petit... Oh, B trouvé à Toshi. Aïe, aïe, aïe. Aïe 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 aïe, je soupçonne le Flood d'avoir empêché le backer de bien se spacer, mais ce n'est qu'un avis personnel, rien ne le prouve. En tout cas, le B qui sera trouvé, donc une avance du côté de Dasher, qu'il faudra veiller à concrétiser maintenant. A voir si il s'en sort de ce côté-là. A voir s'il arrive à peut-être rechoper une stock ou un grab, ou à au moins remettre des pourcents. En tout cas, pour l'instant, s'il trouve la stock, il remet à even, hein, faut que ça. Aïe 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 aïe. Oh, Misfire. Oh, on s'est pas collé contre le stage comme on aurait pu le croire du côté de Foxa. Et je pense qu'on s'est fait un peu bait de ce côté-là. Backer encore une fois. Oh, le Misfire. Oh, non, on n'en profite pas bien. Je pense qu'on pouvait smash sur ce Misfire. Encore une fois, on a un petit retard. Mais franchement, pour l'instant, on n'en a pas fait grand-chose du côté de Foxa. Beau drift pour esquiver ça. Oh, le grab est trouvé. Alors peut-être, Donner. Non, on n'a pas le Donner sur spots. On n'aura pas le follow-up habituel. On aura quand même 40%. 40% de pur plaisir, et là peut-être. Faut que ça qui joue très très safe, hein, malgré son retard de pourcent. Ne pas se faire gratter, c'est l'objectif principal de cette stock pour l'instant. Ah, ça peut se faire, hein, ça peut se faire. Oh, petite hydrant chopé pour Dasher. Bon, pour l'instant ça se joue très très safe, encore que le travail de gratte est effectué pour l'instant. Le travail de gratte est clairement effectué, on est à 59. Non, ah, la pomme. Très dur de l'esquiver cette pomme. Et attention, faut pas prendre la phase là. On s'est fait reverse malheureusement depuis l'invincibilité. C'est un peu dommage ce genre de reverse. Non, dommage, on se fait encore une fois. Non, on rate le hobby. Le hobby qui avait beaucoup plus de rewards que de risques, hein, puisque le reward était tué et le risque manifestement n'était que quelques pourcents. Donc franchement ça va. Oh, up smash. Oh, la DI. La DI malencontrueuse de Foxa sur ce up smash. Et on se retrouve avec une stock entière d'avance de la part de Dasher, n'ayant mangé que 44 malheureux, 55 malheureux, enfin 51 malheureusement. Ah, les dégâts Kira Cup, je vais peut-être commencer à me taire parce que ça devient difficile. Bon, 84%, c'est pas encore kill pourcent, quoique ça ne saurait tarder, hein, du côté de Dasher. Oh, 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 la face. Ah, 82%, et il n'y avait même pas de grab. Même pas de grab. Et on est un peu dans la sauce là du côté de... Oh, Donner, dommage, le Sour Spot. Ok, on a une petite phase du côté de Foxa qui n'a pas encore close stock. Ça revient. Oh, ça revient, ça a bien stack le ledge du côté. Oh, Backer, Backthrow, pardon. Ah. Je m'embrouille dans mes mots. Mais c'est magnifique. Que nous propose ce Dasher, c'est incroyable. C'est incroyable. Ok, et bah un partout. D'ailleurs plutôt dominant puisqu'on est sur un 2 stock quand même. Donc vraiment fort. Je sais pas si on va avoir un counter pick ou pas de la part de Foxa, franchement j'en doute un peu. Parce que le matchup est quand même vraiment bon. Mais peut-être que ouais, on n'arrive pas à circuler autour des hitbox ou du smash ou de ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, c'est compliqué. C'est compliqué pour Foxa là actuellement. Y'a quoi, y'a un retard de son ou... Non, juste les 1 sont pas centrés pareil et ça m'énerve. Excuse-nous, le maniaque. Je te pardonne. C'est bon, ils sont réglés les scores ou pas encore? Non, ils le sont pas, mais tu peux quand même casser, tu vois. Ouais, non, mais ça me perturbe d'avoir un mec qui manipule devant moi, mais d'accord, admettons. Bon, on a 24%, bon, en termes de phase, c'est pas non plus. Ouais! Excusez-le, hein, il est. J'arrive juste après! Un peu limité. Qu'est-ce que je disais? Vous avez eu le droit à la joie et à la bonne humeur de Master, hein, qu'on subit tous les jours ici sur Bordeaux.
Et donc du coup on a une phase déjà beaucoup plus conséquente du côté de Dasher qui va donner déjà qui va déjà donner 90%, ce qui n'est pas rien. Non, on va se faire F smash très très bas par rapport au ledge. Je crois que Dasher a été surpris. C'est surprenant, franchement c'est surprenant, je vais pas vous le cacher, même moi j'aurais pu être surpris par ça. Non, j'avoue que vraiment, vraiment ça fait peur. Maintenant faut pas se faire trop gratter. Oh, oh le dash up smash qui touche encore une fois sur une DI thaïlandaise de la part de Foxa. Oh, et la down throw qui va être foxée par le flood malheureusement. On aura que 18 dégâts trouvés sur cette throw. Tandis que sur celle de Foxa on va trouver 75 déjà, ça va mettre cher. Non, on va se faire Ident. Et les dégâts commencent à monter un peu. Up smash. Oh, on a failli envoyer la tech chase de l'année. Malheureusement, ça ne sera pas validé par cet Ident qui a refusé littéralement d'envoyer là où il fallait. Ok, back air. La cloche. Oh, on l'attrape. Très très bien vu. Non, oh. Non, toujours pas, mais bon. Mais bon, on est... Pas kill pourcent du côté de Foxa, mais franchement, ok. Bah là, par contre, on commence à y être un peu sur une DI un peu thaïlandaise, sur une back throw, sur un truc un peu bizarre. On sait jamais, on peut commencer. Ce up smash aurait pu tuer. Ce up smash aurait tellement pu tuer. Oh! Oh! Ah! Interaction spaghetti! Oh! Back throw! On a le contrôle de stage! Oh! Et on perd la cloche, enfin la clé qui plus est. Non, faut arrêter avec ce up smash! Et on meurt! Non, c'est triste! Allez! Allez Dasher, you can do it. Je sais que le cast n'est pas vraiment impartial, mais ici de toute façon on est pour l'upset. On est clairement pour l'upset. Ok. On chope ce Galaga dont on ne fera pas grand chose malheureusement. Back air encore une fois. Alors peut-être un smash. Oh, Don't be. Non, Maldi qui plus est, il se fait cross-up à la dernière seconde, force à lui. On n'est pas tous égaux devant ce Don't be. Certains meurent à 140 alors que d'autres struggle à 180. Oh, pff, misfire dans le... Ok, pourquoi pas. Malheureusement, on se fait gratter sévère, là, du côté de Dasher. Et franchement, là, ça... J'aime pas être en retard comme ça contre Foxa, ça fait peur de ouf. Et ouais, là, c'est... En vrai, s'il trouve un grab ou s'il trouve vraiment un bon confirme, il peut mettre les dégâts qu'il faut. Mais là, je sens que Foxa, il s'est vraiment verrouillé, il a vraiment verrouillé le neutral. Il prend quelques dégâts par-ci de gratte par-ci par-là, mais... Enfin, ouais, il se fait remonter. En vrai, il se fait remonter. Soyons honnêtes, il se fait remonter et c'est faisable. Mais pour l'instant, oh, la cloche qui ne sera pas trouvée. Et on chope son fruit encore une fois qu'on balance direct. On veut pas le garder dans les mains ce fruit. On veut vraiment faire quelque chose de mieux. Ok, back air, up smash. On est repassé devant, on a repris le lead des pourcents. Ah, et malheureusement. En fait, le lead des pourcents, franchement, c'est quelque chose qui fout de ouf là pour l'instant. Non, don't smash. Si on avait smash, on serait tellement mort. Et là le fer, est-ce qu'on a encore le saut ou est-ce qu'on s'est fait gimp? Non, le misfire. On est sauvé par le misfire peut-être. Non, toujours pas, on n'arrive pas à sortir de ce corner de la part de Dasher. Toujours pas. C'est tendu du slip. Hein. Là, non, la pomme. Oh, la pomme qui tue pas. La pomme qui tue pas, mais on a le fer qui viendra aller chercher. Non, et on se fait back throw. Pourquoi ce up smash encore? Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi! Mais pourquoi? Dites-moi pourquoi! Ah, oh, j'ai plus les mots, je suis attristé devant cette triple tentative de up smash qui prendra aucune soc et qui s'en fera prendre deux.